Bonjour à tous, ici Sprilex, bienvenue dans ce 8ème épisode de Let's Play sur The Legend of Zelda, A Link to the Past. Très bien, nous avons gagné les palmes dans l'épisode précédent. Nous allons donc pouvoir continuer en nageant là où c'est possible. Par exemple ici. Non, on peut pas. Ici je peux. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non, il n'y a rien. Alors, il faudrait que j'arrive à monter dans la montagne. Allez. Alors ici. Alors pourquoi il y a une flèche en herbe? Déjà. Voilà. Ça marche bien la glace. Bon, ça utilise du pouvoir magique, mais... D'accord, toujours pas de changement. Allez. Allez, ni vu ni connu. Pourquoi ? Je peux rien faire, je peux pas fouiller. Allez, avance. Alors, avec tout ça, non. Je suis arrivé là. Il y a toujours... il y a ce côté-là. Ah, je peux pas sauter dans l'eau. Allez, dans le dos. Toujours une fois aller voir le cimetière. Qu'est-ce que tu faisais dans ce buisson? Tu te paluchais ou quoi? Boum, aïe. D'accord, la plus importante des tombes, on peut pas l'atteindre. On peut pas pousser. Plus.
Y'a rien en dessous. Donc. Ça y est. Si je fais n'importe quoi, je vais devenir n'importe qui. Aïe. Voilà, du juste. Très bien. Alors ici, on pourra pas passer. Donc c'est un raccourci pour l'autre côté. Voilà. Et alors ici. On arrive là. Ah, ici on peut. Allez, alors. Très bien. Oups. Vous n'avez rien vu. Tiens, c'est un tourbillon magique, ça. D'accord. Alors, ici. Hop, 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 hop. Monte glace. Avant de faire une bêtise, on rentre. Alors, la mare de la du bonheur. Lance quelques rubis et ton vœu se fera exaucer. Allez, on en lance un peu. 20 rubis. Le bonheur a augmenté de 20 rubis. Au total, ton bonheur est de 20. Tu deviens de plus en plus heureux. Un pas à la fois. Enfin, un peu à la fois. Pour ta révérence, tu as de la chance aujourd'hui. Bon. J'ai de la chance. Hey. Ah, saleté. Bon. Ça faisait longtemps. Depuis la maison de Link, c'est très bien. Ok. Alors, très bien.
D'accord, ici on est. Et on peut passer en dessous. Yo Link, tu sembles avoir quelques problèmes, mais prends ceci, c'est tout ce que je peux te donner. Et voilà une bouteille magique, tu peux stocker un objet dedans et l'utiliser plus tard, du genre une fée. Bon, ça m'aide pas plus que ça pour l'instant, parce qu'il faut que je trouve la suite. Maintenant que j'ai les palmes, je vais devoir aller revoir une voyante. Je pense que c'est ce que j'aurais de mieux à faire. C'est par ici que je suis mort, hein. Ouais. Maintenant que j'ai les palmes, où est-ce que je vais devoir aller? Mais ce quart de cœur, je sais pas comment l'avoir. Voilà, très bien. Parfait. Alors ici, c'est quoi? C'est la voyante. Abracadabra la Kazam, tu trouveras un amoureux de champignons au magasin de magie. D'accord, oui, mais j'en viens du magasin de magie. Très bien. Alors, tiens, voilà. Voici la poudre magique. Essaye d'en asperger sur les ennemis et bien d'autres choses. Alors, le rouge, c'est la vie. Le vert et la magie. Le bleu, c'est les deux. Voilà. Goûte un peu de cette potion rouge. Qui me dit. Ok, bon. Ensuite. Puisque j'ai ça, je dois retourner dans la montagne, j'imagine, et saupoudrer le pont. Je dis ça au hasard, hein.
pas aller revoir le voyant. Alors, même la puissante Master Sword ne peut blesser le corps du sorcier. D'accord. Bon, bah on va retourner dans la montagne, hein, comme j'ai dit. Allez, laisse-moi charger si je veux. De se téléporter entre tout hein. Alors, il n'y a rien d'intéressant. On va aller voir cette voyante-là, peut-être qu'elle va nous dire autre chose. J'y crois pas trop, mais bon, on a de l'argent. Enfin, c'est le voyant plutôt. Le vrai héros trouvera la perle lune dans la tour de la montagne. D'accord. C'est bien de me dire que je dois aller dans la montagne, mais j'aurais bien aimé avoir un peu plus du genre il aspergera le. Enfin, il saupoudrera le pont de magie. Là, ça m'aurait été plus utile. Ok. Déjà un téléporteur. Ok. Attention, c'est là et c'est en bas. Très bien. On sort de là. Elle est là, qui se transforme en pierre. Hop.
Alors, un peu de poudre magique. Non. Alors, ici, on revient. Ah, peut-être les taupes. Tiens, toi. Non, je peux pas en foutre en lapin. Ok, donc. Il n'y a que le miroir que je peux utiliser en lapin. Le miroir, eh bien, il me fait revenir. Ah, zut. Ah oui. Si je peux pas utiliser la poudre sur les taupes ici. Ah oui. Ah non, c'est pas bien. Non. Y a rien là. Là, je serais dégoûté si je dois aller voir sur le net déjà maintenant. Le miroir. LOL! D'accord, c'est ça. Tout simplement. J'ai trouvé. Voilà, et là, le miroir. J'avais pas tilté tout de suite que c'était pas sur le même plan. Et donc là, on est au château. Ok. Bon, bah, je propose qu'on arrête ici pour cet épisode. Et on reprend dans le prochain. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite et surtout, portez-vous bien. Bye!